Good morning. Troisième matin. Yeah, maybe I need help. With the woods, like last time. Et quoi? Mais c'est ça, il faut un bâton pour le garde. Oh. Ça. L'arme. Il faut enlever notre douche. Ici. Ok. Ouais. There you go. Oh, on s'en va. Merci. On s'en va, notre routine du matin, on a déjeuné, j'ai bu mon café et on s'en va remplir nos affaires d'eau, notre lavabo, notre robinet et voilà, ça c'est notre routine du matin. Aujourd'hui, au plan de la journée, oh le dog, hello! On sait pas si à cause du COVID, si on peut les... Ouais, c'est ça. Do you guys mind if we cut them? Ah! Okay! Hey, hello! I don't want to, like, because of the virus and stuff, it's all, like, weird, but I'm like, oh my god, dogs! I think with dogs it's okay. Yeah, that's what I thought too, but. Oh. Hey, friend! Il est trop cute! Il va peut-être aller manger notre bouffe, on a-tu de la bouffe, hein? Il y a beaucoup de personnes en bas. Eh ben! On sait pas c'est qui le chien. Ouais, c'est vrai, c'était pas à eux le chien, on a jamais vu un chien. Ouais, c'est eux. Ça, je... Bon, j'ai le coronavirus sur mes mains. Ah, j'ai touché au chien. I'm kidding. Oui, les plans de la journée. On attend un ami qui vient nous rendre visite pour la journée. Et hier, quand j'ai vu sur le bord de l'eau les spots pis tout, que tout le monde fait des feux, il y a des tables à pique-nique plus loin. C'est cool, on va aller là, on va passer notre journée là aujourd'hui. On espère qu'il pleuvra pas. Il n'en annonce pas la météo. Mais bon, on ne pourra pas se mettre en bikini et se faire bronzer parce que il fait frais. Il fait genre 15. Quoi? From here. But like not really. Bon, puis il y a plein de monde à la plage. Je vais arrêter la caméra, mais disons, ça va juste remplir nos bouteilles. Et aujourd'hui, on va chiller sur le bord de l'eau et regarder le paysage. C'est ça les plans de la journée. Ok, à plus! Bon, ben, il vient de nous demander de payer. Mais on va payer 2 nuits sur 4. C'est quand même pas si pire. Puis c'était bizarre, ils ont demandé de laisser ça à terre, loin, notre argent. Ben, c'est pas bizarre, là. Ouais. C'est différent. C'est ça. C'est juste que c'est normal maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est normal. À cause du COVID. Ils veulent pas nous approcher. Ils veulent pas nous approcher. Ils ont peur de nous. Bon, ben, on a payé 2 nuits. Bon, on a 2 nuits gratuites. Yay! Ok, bye. Correction. On a eu 1 nuit de gratuit. Et non 2. Mais c'est cool pareil, c'est mieux que rien. Yay! Notre ami vient d'arriver! Il est midi et une pile, puis il avait dit à midi qu'il serait ici. I'm so impressed! Wow. C'est quand même 3 heures de route, tu sais. Il peut arriver plein d'affaires sur la route. Il est bon! Nice! Hey! Here! Allez! No worries, mate. I love his sticker. C'est quoi, no worries, mate? Ben, mate, c'est... Personne?
Why, I see. No worries, dude. All right. Yeah. Look at you. You guys talk about it and you just do it. It's awesome. I love it. Yeah. That's crazy. I thought you said next month or something. Aren't you cold? No, man. We just wash our dishes. It was workout. Hey, on a un chien. On a un chien. Le chien, il se promenait. Puis il y a deux personnes qui disaient « Hey, c'est-tu à vous le chien? » On était comme « Non! » Fait qu'ils nous ont demandé de le garder. Il y avait même des biscuits à chien, ça tombe bien. Parce qu'il vient de vider le bol. Puis ils nous ont demandé de le garder le temps qu'il aille sur la route trouver du signal. Parce qu'il y a un collet. Il y a un médaillon avec le numéro de téléphone de où qu'il appartient. Fait qu'ils vont aller chercher du signal pour essayer d'appeler les propriétaires. Puis en attendant, on fait du babysitting. And what is name? Argus. Argus. Well. Oh God! How did he get over here? We're doing babysitting. It's on his nose. Oh. Oh no! Don't bite. You should put it in the bowl. Arc. No, you can't put it back. No, I'm not putting it back in. It's disgusting. You're so gross. Okay, stop it. I know. Go take another spoon and put it in the bowl, in his bowl. Don't ever own a dog. No. This is literally what we would do. I would do this and eat after him. Well, maybe not this, but okay, no. Okay, don't bite. She's like, oh, this is so cute. Like, bon, ben, ils ont trouvé les owners. Ah, this is the owner? Mission accomplie. American girls and American guys, we'll always stand up and salute, we'll always recognize when we see old glory flying. There's a lot of men dead, so we can sleep in peace at night when we lay down our head. My daddy served in the army, we lost his right eye, but he flew a flag out in our yard till the day that he died. He wanted my mother, my brother, my sister and me to grow up and live happy in the land of the free. Now this nation that I love is falling under attack. A mighty sucker punch came flying in from somewhere in the back. Soon as we could see clearly through our big black eye, man, we lit up your world like the 4th of July. Hey, Uncle Sam, put your name at the top of his list. And the Statue of Liberty started shaking her fist. And the eagle will fly, and it's gonna be here. When you hear Mother Freedom start ringing her bell, and it'll feel like the home. Hello guys, on vient de finir notre journée en compagnie de notre ami. On est allé passer un bon moment de la journée. Ah, c'est une méga bébête ça. Wow. Yeah, bonne chance que c'est dehors. On a passé une bonne partie de la journée sur le bord de l'eau. On s'est fait un feu, c'était le fun. On a mangé là, on a soupé là, on s'est fait des s'mores. Super plaisant. Et donc, c'est notre dernière nuit ce soir. Demain, on va se lever relax, on va manger et on va pacter relax et on va partir. C'est ce qui termine notre journée. Notre trip au camping. Ça m'écœure d'entendre le bruit des ailes. Mais c'est ça, les campings au BC, c'est pas mal relax, c'est pas mal. Tout le monde est chill au bord de l'eau. Tout le monde se trouve un spot nowhere. Pas besoin de réserver avant.
tu fais juste te pointer, puis t'espères de trouver un spot. Mais tout l'été, à cause du COVID, le BC réserve les campings seulement aux résidents. Donc, j'imagine qu'il va y avoir plus de place. Ouais, t'inquiète pas, Edor. Fait que c'est ouais. Fait qu'il va y avoir plus de place parce que ça a l'air que d'habitude c'est tout le temps plein, mais c'est sûrement plein pour ceux que tu réserves d'avance, mais ceux que tu réserves pas. En tout cas, je sais pas dans le fond, mais j'ai l'impression qu'il doit tout le temps avoir de la place à quelque part. Donc voilà. Marc, elle est grosse, ça va vite. On entend genre des bruits là. Comme si quelqu'un bougeait ou un animal bougeait là-dedans. Sur sa bonne nuit. Bon matin! Je suis encore pas réveillée. Quatrième matin, journée de départ. On s'en va aujourd'hui. Donc, on déjeune et on pack et on s'en va. Quatrième journée sans avoir pris de douche. On a des wipes féminines pour se laver. C'est mieux que rien. Mais ouais, on a hâte de prendre une douche. Mais on pue pas, c'est bon. On pue pas. Et ouais. Donc, les campings du BC, c'est du vrai camping dans le fin fond du bourg. Pas de commodité. Une bécosse. Ouais, il n'y a pas de bibitte, là, il mouille depuis un matin, il arrête et recommence. J'espère que ma tante ne sera pas trop mouillée pour ses chiens, ça. Tant mouillé, pacté. Encore le pic-bois, il s'est vraiment bouillé tout le temps à côté de nous. Fait que c'est ça, fait que tu ne réserves pas. Il y a plein de hikes autour. Il y a vraiment un million de hikes, mais là, ils sont tous fermés à cause du COVID, la plupart. Genre, vraiment, la majorité sont toutes fermées. C'est poche parce qu'on a arrêté une journée faire du hike. Il y a Joffrey Lake ici à côté. Les photos, ils ont l'air malade mental. L'eau bleue, genre turquoise, flash. Ça, c'est sûr qu'on l'a fait cet été quand ça va ouvrir. Là, on est le 6 juin. Fait que ça devrait ouvrir bientôt parce que depuis le 1er juin, en fait, les campings au BC ont tout ouvert. Ben, la majorité, là, 95%, je sais pas. Juste ça dans les airs, là, mais la majorité ont ouvert le 1er juin. Fait que c'est ça. Fait que les hikes, j'espère qu'ils vont ouvrir bientôt. Ben, c'est vraiment un gros terrain de jeu, le BC. Là. C'est vraiment des hikes partout, des campgrounds partout, des campings partout. C'est vraiment cool. Je vais faire mon déjeuner. Mes banana egg pancakes. Oh my god, je suis sale. Mon linge est sale, ça fait trop jour, je porte la même affaire presque. Et c'est ça. Donc, on va déjeuner. On a commencé à pacter tranquillement. Et on s'en va. Avec un arrêt au Tim Hortons à Whistler. Cool. Sur ce, j'espère que vous avez aimé. J'ai pas filmé de l'été dans le fond parce que je travaille pas, puis je filme plus à job, puis je me dis que c'est ça qui est le plus intéressant pour vous. Mais je me suis dit que les campings, ça pouvait peut-être intéresser, c'est quand même quelque chose. Moi, j'étais curieuse des campings du BC, comment ça fonctionnait quand j'habitais au Québec, et je me suis dit peut-être que ça va vous intéresser. Je suis vraiment poche à éditer, ça me prend un temps énorme à éditer. Je suis vraiment paresseuse sur ce côté-là, c'est pour ça que ça prend du temps à sortir mes vlogs. Mais c'est parce que aussi, tu regardes ma coloc avec son iMovie sur son iPhone, ça prend 2 secondes à monter. Moi, sur mon Android, avec un app que j'ai downloadé, ça prend 1 million d'années. Oh my god. Avec mon prochain téléphone, je pense que je vais switcher pour du Apple. Je vais peut-être sortir mes vidéos plus vite. Alors, sur ce, on se revoit bientôt peut-être. Je sais pas quand je recommence à travailler. Pas avant septembre, octobre, novembre, pas avant l'automne. Selon moi. Il y a du monde qui sont plus pessimistes que ça, mais moi je reste optimiste. Marthe la optimiste, c'est mon nom. Donc voilà. J'espère que vous passez une belle été de votre côté. Nous ici au BC, c'est pas très... ça va bien en fait, là. Il y a pratiquement plus de cas par jour. Il y a entre
2 et 20 cas par jour du 11, du 13, du 2, du 15 depuis fin mai que c'est comme ça. Donc les restaurants ont ouvert, les terrasses ont ouvert à 50% de leur capacité par exemple. Les restaurants ont ouvert fin mai. Je ne sais plus quelle date exactement, la 24 je pense. Mais je ne suis plus sûre, je sais même environ autour de ça. Et ouais, c'était le fun de retourner au, sur une terrasse. C'était vraiment le fun. On s'est bourré la fraise, moi et ma coloc. On a pris un entrée, un repas, un dessert. On a tout pris, on voulait tout prendre. Un drink, ça c'est sûr. Et fait que c'est ça, les affaires sont, même les malls, là, ça a l'air qu'ils sont ouverts depuis la semaine passée. Les centres d'achat, tout a réouvert. Les dentistes, j'ai mes rendez-vous de dentiste depuis fin mai qui m'ont rappelé. Ben, j'en avais un pendant le COVID, mais qui a été annulé. Donc, ils m'ont rappelé pour le reprendre. Et c'est ça. Donc, tout a réouvert. Je sais qu'au Québec, c'est pire. C'est très... Vous êtes très enfermés. Ici, ça n'a jamais été comme ça. On a toujours pu se promener entre les villes. C'est juste que quand on partait pour des road trips, le problème, c'est de trouver des toilettes. Ouais, une fois qu'il a fallu que je fasse pipi en arrière du Petro-Canada parce que j'étais plus capable. Après 3-4 stations-service qui m'ont dit non, qu'ils gardent, genre, tous les magasins gardent leurs toilettes pour les employés. Mais j'ai fait fuck off, je suis plus capable de retenir. C'est là qui se passe. Moi, ce que j'ai en arrière de mon auto, puis. Ça s'est passé là. Fait que, mais sinon, là, depuis cette fois-là qu'on s'est fait prendre, après ça, on a trouvé nos spots. On a beaucoup de bois ici, fait qu'on essaye de trouver nos spots. Et c'est ça. Donc, c'est ça le problème quand on partait en road trip, de trouver des toilettes. Mais maintenant, ils commencent à rouvrir ça. Donc, c'est un peu moins pire. On trouve plus de toilettes, c'est un peu plus facile de trouver des toilettes. Le Canadian Tire a toujours laissé ses toilettes ouvertes. Ça a été notre spot aussi, le Canadian Tire. On spotait tous les Canadian Tire en chemin. Donc, c'est ça. C'était des nouvelles du BC. On se revoit bientôt, j'espère. Et j'ai hâte de revloguer au travail. J'ai hâte de recommencer au travail. Le travail me manque terriblement depuis quelques semaines, surtout. Ouais, on a hâte que tout ça finisse et qu'on retourne dans les airs. Bon, sur ce, il faut que je me fasse à déjeuner parce qu'il faut s'en aller. OK, bye!